animés à travers le 65 10 0101. Appelez-nous donc et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Nous avons donc un peu plus d'une demi-heure à passer ensemble ce matin et c'est ainsi tous les jours, du lundi au vendredi. Appelez-nous donc à travers le 65 10 0101 et vous avez la possibilité donc de nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations telles que vous les vivez dans vos différents quartiers. C'est le 65 10 0101, le tout premier intervenant. Lui, bonjour. Bonjour, monsieur le chirurgien. Votre nom, s'il vous plaît. Vous avez la dernière chasse humaine, monsieur le quartier Bounaro. Nous vous écoutons. Toujours les caniveaux, ici à Parago. Vraiment, je ne cesserai jamais d'appeler au secours à la mairie de Parago pour qu'ils puissent venir. Vraiment, au secours. Pour rapport à ces caniveaux-là, je quitte là très rapidement. La maison est incarcérale. Vraiment. Si on peut revoir un peu les situations, les conditions de vie de ces locataires de ces maisons incarcérales, ce serait bon. Parce que c'est rempli. Quand tu prends le cas de la prison civile de la TPU, une prison civile qui garde deux départements, puisque celle-là, la commune de Djougou, disons le département de Adonga envoie ces éléments. C'est plein. On puisse construire encore des bâtiments pour pouvoir pour recevoir ces personnes. Disons là la loi, je j'accepte. Mais parmi eux, il y a des innocents. Comment que l'État puisse construire ces gens. Très rapidement, toujours dans la commune de la Tétonie. La voie du contournement lancée depuis 2010, déjà fait il y a 14 ans, mais jusqu'à quand la concrétisation de cette voie-là? Dernièrement, très rapidement. Vous allez revenir pour votre deuxième passage. Merci pour votre appel. 65 10 6 0 1 0 1. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Un autre intervenant, allez, bonjour. Bonjour. Monsieur le chasseur et le syndicat journaliste, au matin, je vais la route de plaisir de Nali. Nous vous écoutons. Permettez-moi de vous remercier pour votre ponctualité sur l'accueil exact. Et j'affirme, je prophétise que vous pouvez travailler aux États-Unis d'Amérique. Sans commentaire. Merci. Je remercie également les hommes d'ordre, c'est-à-dire nos techniciens de la radio Patente. Parce que là, je suis, vous quatre menaces spécifiques. J'en sens plus difficile. Donc, au cœur de la police davantage, avec leur droite et leur dynamisme, sujet principal. Au Bénin, nous pouvons dire, sans nous tromper, que la retraite est comme une défense aux enfers ou à l'enfer. Les deux institutions s'excusent, je ne concède pas. Donc, je demanderai simplement à ceux qui s'occupent des dossiers des retraités de voir cela. Sinon, ce n'est pas bon. Au Togo, à côté, les retraités se sont l'armée. En Côte d'Ivoire, ils louent Dieu, ils regardent à Dieu. Et nous, ce sont des plaintes. Il ne faut pas que nos compatriotes tombent invalides après l'heure. Ce n'est pas du tout bon. Jusqu'en réalité, lorsque vous allez un peu dans les contrées les plus reculées, vous souffrez tous au Bénin. Tous ces bénévoles aujourd'hui, le ventre, collé à leur colonne vertébrale, je voulais dire, pour ne pas dire à leur dos, pourquoi tout cela. Mais pour terminer maintenant, tout simplement, est-ce que mes frères, M. Bonin, les élèves, nos élèves, nos enfants, M. Bonin, ont pu trouver une solution à leur problème? Donc, je demanderai aux autorités de penser à ces enfants pour qu'ils ne servent pas la vie. Pour qu'elle soit, à tout à l'heure. D'accord, merci pour votre appel. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos préoccupations. Un autre intervenant, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Ok. Toujours dans la commune de Tengo, le sujet de Tengo, qui recueille toujours des bâtiments coloniaux. Qui dit bâtiments coloniaux? C'est dans ces bâtiments que l'ancien président, le général Mathieu Kérékou, a fréquenté. Et c'est ces bâtiments qui accueillent toujours les abonnés.
haut. Les bâtiments courent. Les missions fondent. Et c'est déjà nos enfants, nos frères viennent apprendre que les autorités puissent penser à ces amis de centre qui viennent utiliser dans ces locaux-là. Je quitte là très rapidement. La voie inter-État, toujours le système au Forza. On a applaudi quand on a entendu le réaménagement de cette voie-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun démarrage. Jusqu'à quand l'effectivité de cette voie-là? Merci beaucoup pour votre avis à vous. Merci pour votre appel et très bonne journée à vous. 65-10-0101. Pardon, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65-10-0101. Notre intervenant, dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. C'est un bel honneur, vraiment rafleux suite à monsieur. Nous vous écoutons. Très rapidement, permettez-moi, monsieur le journaliste, de revenir encore pour par rapport au carnaval que prennent l'assaut de nos ménages. Pour ne pas trop tirer là-dessus, je crois bien sûr que vous avez un des invités qui vient de la police sanitaire. Essayez de lui suggérer ce problème pour qu'il puisse nous donner un peu de réponse. J'en passe. Deuxième préoccupation très rapidement. Oui, une âme en souffrance depuis quelques jours. Je vais parler de la situation d'Opac. Comment pouvons-nous comprendre qu'une bonne dame se lève du jour, que ce 17 ça va cesser son plein quotidien et qu'on la persécute et jusqu'à aujourd'hui, elle est au soin. Au même moment, ce vécu qu'il a été en train de chercher de l'argent de son propriétaire. C'est vraiment regrettable et c'est vraiment inconcevable d'accepter. Je vous en prie, aidez-nous à mettre la lumière et mettre fin à ce désordre qui se passe au niveau de la situation d'Opac. Pour finir, oui. Arbre, un poteau situé non loin de la barbe de Canon, a été percuté aussi par un camion. Et ce poteau est laissé à l'air, pas de fer. Et nous allons pleurer quand nous allons entendre si on savait. Mais de sitôt, il faut qu'on prenne des mesures pour mettre fin à si on savait. Et nous, feu dysfonctionnel dans la commune de Parakou ici, il faut que ce mette du risque d'accident chaque jour que je fais. Je vous en prie, aidez-nous à ce que les services techniques dépêchent pour les décanter. Bonne journée. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65-10-0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65-10-0101. Notre intervenant, dit bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Rigobert Larouquier, je serai très bref. Nous avec écoutons. Votre émission, je voudrais le rappeler qu'au moment où Odaomé, devenu connu aujourd'hui, n'avait pas assez de goudron, les routes, plusieurs routes étaient non bitumées. Mais les villes de Poudre-Tonfar, c'était fermé. Pourquoi aujourd'hui, que nous avons des tronçons de goudron, ne veut pas faire autant? Certes, nous quand même dirons, Rigobert Larouquier, tunnel, est-ce qu'on colle le caillou, ou le ressort de le caillou? Je sais, je ne peux pas le faire, mais on peut faire autrement pour fermer ces nids de trous. Que moi, je peux appeler même des nids de bendos. Mais d'aller ici à Djougou, la voie est impraticable. Mais d'aller ici à Neki, impraticable. Que faire? Allez, décider le mieux. Merci. Merci pour votre appel. 65-10-0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65-10-0101. Notre intervenant, dit bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Vous avez l'honneur, Samani, je vais la commune. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation ce matin, monsieur le journaliste, je demande à nos dirigeants à divers niveaux de faire en sorte, monsieur le journaliste, pour soulager la population. Chaque jour que Dieu fait, nous nous différons, mais nous souhaitons en comprendre la chèreté de la vie, tout c'est trop, monsieur le journaliste. C'est là ma première préoccupation. La deuxième, très rapidement. Oui. Dans nos différents villages, monsieur le journaliste, où il y a les Dodan, vraiment, je demande à ceux qui sont chargés de faire l'infrastructure, de faire en sorte pour qu'il y ait des panneaux de signalisation. Mais même nous qui sommes dans ce village, monsieur le journaliste, en passant avec nos véhicules, souvent on oublie qu'il y a des Dodan. Et à chaque jour, les gens souvent de Paris dans des Dodan. Donc,
Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. 65 10 0101. Auditeur, dit bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Ali Balikora depuis Damagourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, je voudrais demander encore une fois, parce que demander toujours, c'est une tout le temps, il faut souvent demander. Voilà, aujourd'hui, notre quartier Damagourou, le marché, depuis qu'ils ont construit ce marché-là, juste maintenant, sans vous mentir, la construction qu'ils ont commencé, juste maintenant, rien de rien. Toutes les bois, toutes les. Tout, comment on appelle, les gens ont fait les. Par exemple, juste aujourd'hui, si vous arrivez là, c'est incroyable. On demande toujours, ils disent, que le marché va s'installer. Quand? Monsieur le journaliste, tout ça là, pensez à nous au moins. Tous quartiers, ils ont démarché. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, ça fait des années jusqu'à aujourd'hui, demander, quand on demande à notre délégué, il dit toujours que le marché là, Dieu veut, ça va venir. Ça ne vient pas. Quand ça ne vient pas, pourquoi on va le dire? Demandez toujours. Si les maires sont à l'écoute, les CIA, en tout cas, tout celui qui est à l'écoute de ce marché-là, il fait tout pour va nous aider. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Le 65 10 0101 est mis à votre disposition pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos préoccupations. Notre intervenant dit bonjour. Sabi Epifan Zakari Abdulbaki qui vous appelle du derrière coup d'appel. Nous vous écoutons. Sabi Epifan, ma grand va à l'endroit de notre chaîne, mais je lui demande toujours pardon. Il a regroupé les membres, ceux qui vont faire l'orientation de la situation des OPAC. Ils ont reçu les quatre. Mais c'est sa fiancée seule qui bloque le démarrage des travaux. S'il a l'écoute ce matin, nous lui demandons pardon. Entre 200 et la vie humaine, qu'est-ce qui est capital, Sabi Epifan? Vous passez avec un petit colis derrière Zim, vous allez chez vous, on vous arrache, si vous parlez, on ne commence pas à vous insulter. Je demande à mon maire de prendre ses responsabilités, on sait qu'il fait, mais il ne faut pas regarder derrière avant de faire ce travail-là. Sinon, vraiment, ça dit, équivalent ce qui se passe sur ce tronçon, vraiment trop, c'est trop. Nous avons quatre autogas, mais toi, on respecte. Mais pourquoi pas ici, Sabi Epifan, je lui demande pardon de signer et nous donner l'autorisation à cela pour que le travail puisse démarrer pour le bien-être de sa population. Je vous laisse la ligne. Merci pour votre appel, on vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. C'est le 65 10 0101. Un autre intervenant, dit bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Makato Bissé qui a parlé. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, vraiment l'ancien député Sakalafia, aujourd'hui président de la Sénat, 10 ans dans le gouvernement Yaïboni, bientôt 10 ans dans le gouvernement Patrice Talon, plusieurs fois occupé des postes. Et vraiment, la voix Parakou Pereré, bientôt 20 ans. Et cette voie-là, au lieu de penser à quelque chose, à faire quelque chose sur cette voie-là, rien, monsieur le journaliste, c'est pas bon. Je demande à mon maire que chose promise, chose due. Déjà, nous sommes déjà en février. Il nous a parlé de l'asphaltage. On a soif. Dans les rues secondaires sont gâtées. Et il avait dit que les gravements seront déversés ces rues secondaires-là. Nous attendons la première de la crise de Paracou, attendons vivement sur le démarrage de ce projet. Monsieur le journaliste, agréable journée. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Un autre intervenant, dit bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Mohamed Awad Soudan. Nous écoutons. Ma bonne
pas pardonner la population. Regardez comment nous souffrons. C'est après le tabac, à la fin, c'est le découragement. Je dis, prendre quelque chose pour faire, quelque chose pour avoir quelque chose pour les uns et pour la sécurité des uns, ces problèmes. Mais c'est la révision de constitution là qui les gêne, qui les tient au cœur. C'est un pas, ils n'ont pas laissé ça comme ça. C'est ça qui les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Ils n'ont pas laissé. Celui qui va venir là, lui va terminer ce qu'il est. C'est pas forcément que eux seuls qui vont faire tout, non. Ils ne vont pas nous laisser en paix. Nous souffrons, nous souffrons. Ce n'est pas nos problèmes, nous ne connaissons pas. Nos problèmes, c'est ailleurs. Les problèmes, c'est eux. C'est pas qu'ils n'ont pas laissé la condition là comme ça. Gadalin, très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 6 01 01, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Le 65 10 0101 est mis à votre disposition pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, lui, bonjour. Oui, bonjour, journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Malakaka. Nous vous écoutons. Voilà. La voie, réparation de la voie que les gens parlent partout à gauche, à droite, là. Donc, moi, je vois qu'on ne mène pas des moyens comme ça. Parce que la voie qu'ils vont réparer la voie comme ça, ça va quitter des coudonnées. Normalement, le président doit nous aider un peu aussi. Donc, tout ça, là, l'ampoule des gens paient là, mais là, vraiment, ça ne donne pas comme avant. Avant, là, nous, on a fait un garage au bord des coudonnées. On paie. Malheureusement, il est parti. Il a la possibilité de nous revenir pour son second et dernier passage. 65 10 6 01 01. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, tel que vous les vivez, un autre intervenant, dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est ma carte secrétaire qui revient. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, allez-y dans les ménages pour voir. C'est Soja qui est le maître du terrain aujourd'hui, dans les ménages. Vraiment, et nous souffrons comme ça. Au nom, monsieur, on m'a renvoyé deux maisons de mes enfants, hein, pour l'argent de examen blanc. Hein. Difficilement, je suis obligé d'aller passer à côté. Aujourd'hui, on souffre. Mais nous souffrons beaucoup aujourd'hui, monsieur le journaliste. Et avec ça, au lieu de tenir le truc là, de regarder ce que la population est en train de souffrir, et aujourd'hui, c'est le truc là que les gens, le revenu de la condition, qui les préoccupe. Hein. Le bien-être de la population ne les préoccupe pas aujourd'hui. C'est pas sérieux. Et il va s'accrocher. On va vous toujours manger le soja et vous allez vous accrocher. Hein? Vraiment, sincèrement, ça ne voit pas, monsieur le journaliste. Ça ne voit pas. Hein? Non, ça ne voit pas du tout. La population souffre amèrement. Je m'arrête là, monsieur le journaliste. Je vous remercie. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 6 01 01. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Le 65 10 0101 est mis à votre disposition pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur, allez, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon ? Le nom complet, s'il vous plaît. Oui, votre nom complet, c'est Zachary quoi ? Zachary Nouveau. Nous vous écoutons. Allô ? Allez-y pour votre préoccupation. Mon population va directement dans notre gouvernement. Vraiment, ce que notre gouvernement fait, c'est que les gens ne sont pas du tout bons. Regardez comment notre population est en train de souffrir. C'est pour la concession qui les tient au cœur. On dit que ce n'est pas du tout bien. Je pensais à notre parent, à une génération qui est en train de venir. Ce n'est pas du tout bien. Parce qu'il ne peut pas savoir que vraiment. Merci beaucoup. Merci pour votre appel, on vous a compris. 65 10 6 01 01. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre par ici et partager avec nous vos préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour. Adamo Abdoulaye qui vous appelle d'Arte Madina. Nous vous écoutons. Merci, mon frère. Et, monsieur le journaliste, réellement, si l'homme a soif et se rend au marigot ou à la rivière, la première des choses, c'est boire de l'eau et rassasier maintenant avant de chercher à se laver.
Et on nous a promis ici le rendement social. Où en sommes-nous? Nous vivons sous le seuil de la misère. Or, nous ne sommes pas dans un pays en guerre. Chère autorité de la République, ayez pitié de votre pauvre population. Merci mon frère, à tout de suite. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition. 65 10 0101, auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Votre nom s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, journaliste. Ce que moi, je vais dire concernant notre vie de position là, nous, politiciens, que ce soit l'opposition, que ce soit la mauvaise, il manque d'écouter d'abord le peuple. Ce n'est pas la position qui s'est posée actuellement dans le pays qui dit cette place là. Ce n'est pas pour une position. Le peuple souffre énormément, c'est pas ce qu'on dit là. On a demandé le prix de sucre, monsieur le journaliste. Ça fait qu'il y a une minute, par exemple, c'est un exemple que je vous donne d'abord. Ce n'est pas touché. Il a dit qu'il n'y a personne. Maintenant, c'est le régime de région. Pourquoi? Laissez, si le problème du salaire est fini, du comment dit-on, après le monsieur, quelqu'un qui va voir, il y a les conditions, lui, il y a ce qu'il a fait. Sinon, à tout moment, là, nous ne pouvons pas avoir confiance à ce truc-là. Pour vous dire actuellement, monsieur le journaliste, il y a une dame qui vendait les petites racines, les choses, les conditions, comme les dames là, dans le bidon là. C'est comme ça, il y a la dame la vendait, elle a dit que. Le petit accueil de la moukou, elle a dit, il a demandé qu'est-ce qu'il vous met. Elle a dit tout. Il a dit vraiment, alléluia. Ici, il dit, tu vas prendre la racine, la peut même pas payer ce soir, on va mettre dans la racine. Parce que si tu vas dans le jeune écrit, monsieur le journaliste, tu vas dire là, tu vas pleurer. Tu vas voir un jeune debout, tu vas parler de ce masque pour aller faire à l'état. Parce que c'est lui-même qui est debout. C'est pas bon, sur la journaliste, là, la main finit. La journaliste, elle ne va pas, il dit la vérité, c'est pas bon. Il est parti, on vous a compris. Betayami 65 10 0101, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Le 65 10 0101 est mis à votre disposition et c'est grâce à ce seul numéro que vous avez la possibilité de nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Les conditions que nous faisons, que nous faisons, c'est le journaliste. Ce n'est pas nous, la population, ça intéresse. Sinon, depuis 2016, c'est un coup. Ce n'est pas aujourd'hui, quand on nous amène les conditions, on va refuser, nous, la population. Et ça ne nous intéresse pas, c'est eux-mêmes, c'est le journaliste. Sinon, on ne peut pas comprendre. Si je dis au nom ici, depuis 2016, est-ce que, monsieur le journaliste, vous-même, vous êtes là, vous voyez, en sont venus. Qu'est-ce qu'on a vérifié? Si on va parler maintenant par la cour, qu'est-ce qu'on a vérifié? On a les cadres à par la cour. Aujourd'hui, de regarder comment on dit ça ce matin. Quelles différentes paroles n'ont pas parlé encore dans les antennes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va? Celui qui va monter, c'est le mec qui dit que ça va. Ce n'est pas dans son cœur, c'est dans sa bouche. Ça ne va pas. C'est parce que ça ne va pas. Nous, on va dire que ça ne va pas. On ne veut pas les conditions encore. Ça ne va pas. Monsieur le journaliste. D'accord. Et nos dirigeants de faire tout possible. Comment les premiers que nous a promis que, comment la ville de Paris va développer, ils n'ont qu'à commencer. Il est l'heure de commencer avec le régime, avec le président. On va dire à tous. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Le 65 10 0101 est mis à votre disposition pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos préoccupations. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, je réponds au nom de Awino Joseph. Nous vous écoutons. La situation des AME, ils sont à quel niveau avec cette situation? Tantôt, ils nous disent août, après, ils nous disent octobre, après, c'est janvier. On ne sait plus où est-ce qu'ils en sont. D'accord.
Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Le 65 10 0101 est mis à votre disposition ce matin pour nous joindre et partagez avec nous vos différentes préoccupations. On va prendre notre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Alassane Zoumarou de Tourbanikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En 2016, serré les ceintures, on a serré. 2017, serré les ceintures, on a serré jusqu'au dernier trou. 2018, c'est la marmite qui est au feu, on a attendu, ça n'a rien donné. En 2021, c'est le site du rotement social. En 2024, vous serrez les ceintures, c'est le contraire, on va sur le terrain, monsieur le journaliste. Allez-y sur le terrain, c'est la flambée des prix des céréales, la baisse des prix des produits tropicaux. Depuis la baisse des produits tropicaux tels que le sucre et la caillou, la misère des vivants, la souffrance, la pauvreté, la pauvreté, le chômage et la sécurité de la vie. Monsieur le président, nous voulons que la ministre Chamele n'ont pas laissé la position intacte telle que nous avons voté. Je vous souhaite un bon vendredi à tous les personnels de la radio. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. C'est le numéro mis à votre disposition d'ailleurs pour nous joindre ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, les bonjour. Nous vous écoutons. La voix qui va nécessiter un d'aller avant d'aller, mais il y a les ponts qui aillent. Malgré qu'il y a les ponts qui aillent, monsieur le journaliste, mais nous écoutons sur la voie, c'est ma trop, c'est trop. La voix qui rentre là, pourquoi il ne veut pas réparer la voie? Et tu vas aller contre tout, même vous, à monsieur, tu vas aller contre tout. Pourquoi vous venez, c'est comme ça? C'est pourquoi ce n'est pas comme ça? Quand tu rentres aujourd'hui, vendredi, si c'est lundi que tu fais retour, ils montrent qu'ils sont coupés, ils vont te laisser, tu ne payes pas encore. Mais pourquoi pas vous donner un parcours comme ça? Monsieur le journaliste, et malgré ça, la voix vraiment, tout c'est tout, on ne comprend pas. L'argent qui rentre dans les portes, ça ne fait quoi? Et les voix sont comme ça. Là, il y a mis des foules, monsieur le journaliste. Et la ville de Karakou, c'est comme ça, dans les villages aussi. Monsieur le journaliste, tout c'est trop. Merci pour votre appel. L'agent travaille à Yubanaro. On vous a compris, merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. N'hésitez donc pas à nous appeler, partager avec nous vos préoccupations. 65 10 0101, auditeur Ali, bonjour. Oui, Gaël Pival. Oui. C'est même maintenant du retour du retour. Nous vous écoutons. Oui, je peux parler. Mes parents, sous la culture là, quand on change le rythme de tam-tam, on change la danse. Donc, depuis ça, avec deux ans ou trois ans maintenant, je dis, en fait, il y a un problème sur ça. Et tout à ça, moi, quand on parle, les gens, nous peuvent comprendre qu'ils ont laissé, quoi là, toujours, les gens là, se plaignent toujours. Donc, c'est pas sur la seule qui fait ce qu'on peut cultiver. Il y a par exemple, monsieur le maïs là. Je vous dis, vous avez le pouvoir. Vous savez qu'il y a beaucoup de paysans, même la source, ils viennent, quand le feu est bombé, ils viennent pour payer encore le maïs. Tandis que ce sont des choses produits. Vous voyez, mais là, ça va faire beaucoup de stocks. Et là, maintenant, ça va être eux-mêmes qui vendent comme ils veulent. On a des tuyaux, des soyages, mais on les bloque. Vous voyez. D'accord. Donc, pour se mettre rapidement, c'est pour dire, après une réparation de route là, le même, on peut faire quelque chose. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre intervenant, Ali, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez l'honneur à monsieur Jacques Awain qui est de dans la parapluie. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Jalil. Le Bénin et la France sont deux pays différents. Et nous avons une démocratie différente. En Afrique, la démocratie africaine est au chaud. Donc, c'est pour dire. Au niveau de la révision de la Constitution, la révision de la Constitution ne jette pas. Ce n'est pas ça qui préoccupe nous les Béninois à la base. Ce qui nous préoccupe, c'est comment gêner les deux pots. C'est quant à nous, les populations à la base, et notre Constitution telle qu'elle est.
je m'arrête là. Je vous souhaite à bien jouer. Très bonne journée, merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 0101, appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, encore 4 ou 3 minutes à passer ensemble ce matin. Intervenant, les bonjour. Bonjour, M. Pissant Chabi, c'est M. Boussou Jérémy depuis Birugira. Nous vous écoutons. Merci, M. Pissant Chabi. Quand est-ce que notre maire va aller en face de répression contre les animaux en défecation, M. Pissant Chabi? On en a marre. Est-ce que le même qui a produit à parapour? Nous partageons les mêmes passages avec les animaux. Voilà, ça ne peut pas se passer, M. Pissant Chabi. Nous sommes en troisième ville à statut particulier. Et que chaque jour, nous allons continuer à partager les mêmes passages avec les animaux, que les animaux vont nous traiter. Mais c'est pas possible. Mon maire ancien n'a qu'à faire comme ancien maire Charles Toko. On a confié cette tâche à un ou troisième mon maire, dans ce temps, M. Koundin. Il a compris sa tâche. Mais pourquoi pas? Le troisième agent actuel ne peut pas faire ce travail et que nous sommes embêtés par les bêtes dans la ville du Carrefour. Ça, c'est pas du tout bien. Sincèrement dit. D'accord. Et après, bonne journée à vous. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, auditeur, allez, bonjour. Oui, rebonjour. Très rapidement, Adamo Abdoulaye qui revient du quartier Badina. Nous vous écoutons. Merci, M. Tiffane. Et trop d'impôts, tout l'impôt. Regardez un exemple. Dans la sous-région, vous payez le fonds péage, le premier fonds péage que vous payez, vous allez montrer le ticket dans les autres fonds péage. Pourquoi ici, vous payez à Gladou, à Sabé, à Samarou, à Chiré? Ce n'est pas sérieux, cher président de la République. Ayez pitié de votre pauvre population. Ça ne va pas du tout. Deuxième préoccupation, M. Epiphane. Nous voulons qu'on nous donne l'opportunité pour qu'on puisse voter directement à nos maires. Nous ne voulons plus voter aux conseillers à leur tour, aller voter le maire. Ce sont les représentants, c'est vous qui avez voté pour les conseillers. Les conseillers, c'est vous-même, d'une manière ou d'une autre. On vous a compris, en tout cas, c'était votre avis. Merci pour votre appel. On va prendre le tout dernier, 65 10 0 0. On dit tout, allez, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Madame Vavoni. Nous vous écoutons, allez-y. C'est Madame Vavoni, je suis américain. Allez-y. Merci beaucoup. On vous a compris, merci. 65 10 0 0, on pourra prendre un tout dernier très rapidement avant de refermer cette transe. 65 10 0 0, on me permet, voilà. On va aller très rapidement. Bonjour, dites-tu en ligne. Bonjour. Non. Et donc, merci pour vos différents appels. C'est donc terminé pour votre transition. Point de vue de ce matin. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir joints. Ceux qui ont essayé, qui n'ont pas pu, on va se retrouver lundi prochain. C'est terminé donc pour la transition. Point de vue pour le compte de ce vendredi 2 février 2024. Epiphane Chabi. J'étais devant ce micro pour la coordination, la manipulation. Les manipulations techniques ont été assurées par Albéry Kakour. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire. Et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès. Et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM. 96.5. T'offrons l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprise. Bonjour madame. C'est simple. Passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Cette semaine, c'est ta chance.
À...